Warrior, regardez qui m'accompagne aujourd'hui. Un très très grand champion. C'est lui qui a le record en MMA pendant 7 ans. Il a été invaincu et champion. Il a gardé sa ceinture de Shooto. Donc pour le moment, au jour d'aujourd'hui, personne n'a égalé un record comme ça. D'accord ? Et bien, c'est lui qui l'a fait. Il est aussi grand champion de lutte à livrer. C'est lui qui est le représentant dans le monde de lutte à livrer. Vous savez que c'est la discipline que moi je pratique, que je préfère par rapport au BJJ. Donc voilà, et ben, c'est le maître qui va vous montrer tout ça, qui va vous enseigner. Alors lui, on l'appelait Monsieur Guillotine. Il faisait des guillotines à tout le monde. Et comme c'est un petit malin, et ben en fait, il mettait ses jambes comme ça, c'est ce qu'il racontait ce matin Nicolas Renier, pour que les gens viennent faire une amène au sol. Et c'est là, il faisait guillotine à tout le monde. Et ben, il va vous montrer sa spécialité, qui est la guillotine. On est parti, donc reste avec moi, c'est parti, c'est maintenant. Il peut frapper, hein. Là, c'est bien. Là, good. Explication. Bon, les mecs, maintenant, je vais faire la technique pas à pas. Première chose, j'envoie des enchaînements de boxe, j'essaie de toucher le corps, je travaille, je marche un petit peu vers l'avant, je raccourcis un peu la distance, je m'en rapproche, je rentre en double leg, toujours avec mon genou au milieu, je ramène l'adversaire et j'arrive stabilisé. Je maintiens ici la pression. Je travaille en tapant. J'attends le bon moment pour pouvoir mettre ma guillotine. Donc qu'il bouge pour que je puisse mettre ma guillotine. Il se remet à quatre pattes. Il a attrapé mes jambes. Je bloque son petit cou. Et je tire pour la garde. Je vais le renverser, donc c'est-à-dire le mettre sur le dos. Maintenant la pression. En maintenant la pression ici. Et il va battre. Et il va taper. Oussa. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, un petit pouce bleu, un commentaire, partagez pour faire connaître ma chaîne. Donc là, on est revenu aux vidéos à l'ancienne. Donc du MMA, de la boxe thaï, de l'urban fight. Un peu de prépa mentale, un peu de prépa physique et bien évidemment des expériences sociales, plus un peu de vlog. C'est un honneur pour moi d'avoir vous avoir présenté ce grand champion. Je vous le dis, hein, c'est une référence en MMA, vous tapez son nom, Alexandre Pequeno. C'est vraiment, voilà, il a fait plein de combats de MMA, très respecté au Brésil, c'est un grand champion. Et de l'avoir sur ma chaîne, eh ben, c'est génial. Donc, obrigado! Où ça? Oh ça! Et eh ben maintenant à vous de tester!